Bianca Latou, Billy de Montfort qui s'en va maintenant devant Petit Turgot. Billy de Montfort qui reprend du champ avec Petit Turgot, celui en retrait par Bianca Latou et Belle Lima. Billy de Montfort sans problème, Billy de Montfort qui s'impose sans problème. Non, mais t'occupes pas. Yann. Hey. Eric, on se sent fort quand on est au sulky de Billy de Montfort. Ah ouais, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que de mener des tels chevaux. Là, c'est un rêve. En tant que driver, c'est vraiment un rêve parce qu'elle est gentille, elle fait tout. Garato, fournisseur de gagnants pour toi? Ouais, non. Faut pas que je le perde. Fabrice, un battable Billy de Montfort? Imbattable. C'est une jument, elle est au-dessus du lot, à mon avis, peut-être même meilleure que les mâles. À mon avis, c'est une craque. Hein. Elle est toute bonne. Il y a elle et les autres. Donc nous, on est content d'être deuxième parce que derrière une jument comme ça, il n'y a rien à faire. C'est une surdouée. Et elle a eu un super passage, la tienne, dans l'année tournant. Ouais, elle a eu un beau passage, mais l'autre est au-dessus du lot, donc on est content d'être deuxième. On est à notre place. Hein. L'autre, je vous dis, pour moi, contre les bons, même contre les mâles, pour moi, elle va gagner. Mathieu, avec Bianca, t'es à ta place finalement, troisième? Oui, elle court très bien, battue par les deux meilleures femelles. Non, elle était bonne. Pourquoi cette décision de venir en face, c'était voulu? Bah parce que les deux Garato devant, ils auraient tout repris, on serait repassé en rien. Moi, ma jument, elle a un peu de fond. J'estimais avoir une chance aujourd'hui, j'ai préféré venir. C'est difficile d'aller les chercher les deux devant? Ouais, non, ils m'ont mis un hypercut en train de droite et j'ai pas cherché à les suivre, j'aurais pas été capable.